Non. En vidéo, les gens. Non. Oh my god. Oh my god, non. Non. J'étais pas prêt. On l'a perdu. Non, mais c'est pas possible. Non. Oh, what the fuck. Il cheat, les gars. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, les gars, attendez. Et salut à toutes les truites et truitesses, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale les amis. Vidéo pack opening, alors pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier où j'ai commencé le défi, ce défi du 2 contre 2 méga chevalier, j'ai enchaîné ensuite avec un live, ça s'est bien fini, première tentative qui a été vraiment très mauvaise. 2 victoires, 3 défaites ou une victoire, 3 défaites, je crois que j'ai un trou, rappelez-moi ça en commentaire pour ceux qui s'en rappellent et qui étaient là pendant le live. J'ai enchaîné une deuxième tentative cette fois-ci qui a payé 9 victoires, 0 défaites, c'était un live vraiment exceptionnel où vraiment on a envoyé du très très lourd, j'avais aussi pas mal de chance sur mes alliés qui étaient bien meilleurs et du coup bah on se retrouve pour un pack opening légendaire, on enchaînera avec du pack opening des abos, donc on se donne un petit objectif de pouces bleus, 5000 pouces bleus, faites-moi péter cette barre et en commentaire dites-moi combien de victoires vous avez fait au défi 2 contre 2 du méga chevalier. J'espère que beaucoup d'entre vous ont réussi à le débloquer. Vous avez également un petit sondage qui apparaît là et ce que je vous propose, on va déjà commencer par s'échauffer les nageoires, petit coffre gratuit. Voilà, tranquille, vraiment, on démarre tranquillement, on va ouvrir le shop et derrière, on enchaînera avec ce coffre légendaire et j'espère débloquer un petit méga chevalier ou tout simplement une légendaire qui me plaît. Alors, 10 archères, ok, de la tour à bombe. Oh, j'avais pas du tout fait gaffe, les amis, j'avais pas du tout fait gaffe. Une armée squelette, une petite épique. Dans ce coffre en bois, on est plutôt bien parti. Allez, petit shop du dimanche. Oh, la voleuse qui paye pas, du coup, petits achats quotidiens très très rapides pour Bibi. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement enchaîner avec ce coffre légendaire. On enchaînera également, du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, pack opening des abonnés. Peut-être que vous passez, si jamais vous voulez m'envoyer votre pack opening, on en parle ça juste après. Oh, oh, si, en fait, si, c'est pas mal. J'étais en mode, what the fuck. Sorcière de nuit niveau 2, on l'avait niveau 1. C'est vraiment une bonne légendaire qui fait plaisir. Une hola en commentaire pour cette petite sorcière de nuit. Du coup, de niveau 2. Alors, pas sûr forcément de la jouer en ladder. On le sait, c'est une carte qui est plus très très forte. Mais on sait jamais, peut-être qu'elle va resubir un up ou re-rentrer dans la méta. Donc, plutôt content de moi. Alors, on va s'ouvrir celui-ci rapidement en mode technique bouseux. Une petite épique. Le miroir, ça paye pas. Ce qu'on va faire, mes petites truites. On va pas perdre de temps. On va passer tout de suite aux choses sérieuses. Pack opening des abonnés. Vous allez voir avec du coffre à tirage, du coffre super magique, du coffre légendaire à foison. C'est parti. Et du coup, mes petites truites, on commence sans perdre de temps avec Cornillo qui nous ouvre un coffre de tirage du très très lourd. On l'entend légèrement derrière. Moi, je prends les moustiques. Ouais, bien. Bon, on va essayer de deviner ce qu'il va prendre. Bah, les princes. Les princes, sans hésiter. Ouais, bon choix. À la place du géant squelette, ici on a Sankiriku sur Mini P.K. Moi je prends Sankiriku perso. Même si le Mini P.K. est pas mal revenu mine de rien dans la méta. Oh, les 100 Mini P.K. pour Francis. Oh, le clignotine de la légendaire. C'est cool, c'est cool. Parce qu'on le sait, on n'a pas une légendaire à chaque coffre de tirage. Donc belle récompense. Et c'est parti, ça tourne noir. Oh bah électro-sorcier hein, sans hésiter. Ouais, électro-sorcier sans hésiter à 2 sur 4. Il prend la petite screenshot. Et du coup ce sera le petit électro-sorcier. Alors est-ce qu'on a d'autres coffres derrière? Je ne sais pas, il me semble, j'ai pas une dire de bêtises. Non. Et du coup il n'y avait plus rien. Et du coup il n'y avait plus de coffres. Après des petits coffres merguez, rien de bien fou. On enchaîne avec le sorcier cette fois-ci qui nous a un super, un magique, deux géants. C'est un collègue Kev06 LOL qui est passé dans ta vidéo. Ah ouais. Donc on va commencer vite fait le pack. C'est marrant, un collègue. Du coup, s'il y a son autre pote qui passe, c'est ouf, hein. À savoir que je les prends vraiment au hasard. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer vos packs opening en bonne qualité, enregistrés avec votre voix, sans la musique du jeu. Et dites-moi dans le mail les coffres que vous ouvrez. Me dites pas si vous avez des légendaires. Dites-moi juste les coffres que vous ouvrez. Ça m'aidera à trier, parce qu'à chaque fois, je passe vraiment pas mal de temps donc à trier tous ces packs opening. Alors du coup, pour l'instant, ces petits coffres en bois qui payent pas trop. Le coffre à coco, allez, c'est parti, Francis. Donc 573 or. Ok. 2 gemmes. Une petite gemme, ouais. 10 esprits. Une petite crotte des enfers. 27 électrocutions. Du sap. 32 Tesla et. Pas de légendaire. Pas d'épique pour ce coffre à coucou. Oh, petit coffre de clan. Il va commencer avec les géants avant. Ok. Donc, chiffre 4. Ça, on est habitué maintenant. Depuis la mise à jour, le chiffre 4, on connaît. Ça ne veut pas dire qu'il y a une légendaire dedans. Mais c'est possible. À savoir que ça fait longtemps, du coup, que j'ai pas vu de légendaire sortir de ce coffre géant. À un moment, à la limite, il y avait ça tous les jours. Là, ça s'est vraiment calmé. Depuis. 800 pièces, ok. 10 roquettes, un golem, 212 flèches et 43 kirikou. On va faire le coffre de clan. Ok, le coffre de clan, 10 sur 10 quand même, un beau petit coffre de clan. 120 or, 21 chevaliers, franchement, c'est un squelette. J'ai encore les séquelles de la soirée d'hier. D'ailleurs, il n'y aura pas de live aujourd'hui, mes petits tweets, ça va être trop, vraiment intégral pour moi et on se retrouvera dès demain en live.
et les 167 géants royales. Okay. Géants royales. Le GR. Le truc horrible. Alors il a ouvert un magique, je crois, avant ça. Ça n'a pas payé. Ou c'était. Non, c'était pas un magique, je crois. Je sais plus. Ça y est, je suis perdu. Je suis perdu. Je suis toujours pas réveillé. Ok. 42 zap. Et là, il manque de la rare, ouais. 17 cabanes de barbares. Et 3 fûts à gobelins. Du coup, le dernier coffre, le super magical chest. Qui a de grandes chances de drop, on le sait, une légendaire. Et je fais pas le résumé. Tu vas y arriver, Francis. 23 cabanes de portugais. Les petits moustiques. Oh, 178, chauve-souris. Ah, ça stresse. Écoutez, 26 géants. 20... Oh lolo, c'est tendu. Il faudrait toutes les communes là, toutes les rats et toutes les épiques. Ok, toutes 300... les communes. Je sais pas. Oh, c'est bien ce que je me disais, il manquait des rares. Oh non, il mérite pas. Dégoûté, les gars. Ouais. Mais non. Mais pas de légendaire. Ah, mais on est vraiment dégoûté là. Bon, on va arrêter le pack opening. Hein. Merci à toi. Allez, en tout cas, le sorcier, pour ce pack opening. On est vraiment désolé pour toi. Un petit tien sur le chat, un petit hashtag. Je pense à toi. Je pense à toi. Voilà, je pense à toi pour la petite pensée au sorcier ici, vraiment qui nous a paqué de la saucisse en barre. Et on enchaîne du coup avec le prochain pack opening qui est I Wish du clan New Hope School. C'est parti. Alors, 3 cartes, 100 euros, 2 gemmes. Un petit peu pour moi. Ça s'échauffe les nageoires gentiment. Essaye de les faire tournoyer comme ça. Échauffons les nageoires. Allez, allez. Et tu tapes ta tête sur la tablette pour paquer. Tu verras, tu auras de la légendaire. Essayez ça chez vous. Tapez pas trop fort, faudrait pas casser l'écran. Quoique, si t'as genre un méga chevalier, c'est rentable. Un petit écran, ça dépend. Si t'as un Wiko, ça passe. Si t'as un iPhone 8, calme-toi, Francis. Si t'as un iPhone 8, donne pas de coup de tête dessus. 48 mortiers et 8 méga cartouches. Ok, on va ouvrir le shop. Y'a pire, y'a pire encore à coucou. Quoi spécial. Non, ok, on a juste l'offre du méga chevalier. Là où je sais pas trop quoi. Il a quand même 3355 gemmes. Ouais. Hein. C'est le gars le plus riche. Le gars le plus riche. Oh, petite notif de BFA, c'est bien. Avec le petit coffre géant, c'est parti. 4 cartes, on veut le légendaire. 860 pièces. On va l'aider. 15 bouches. Non, c'est des moustiques. Voilà. Les mouches, c'est des gargouilles, Francis. 214 canons. Et du géant, s'il te plaît, ou du cochon, ça peut être cool. Ah, la mousquetaire, ça passe. C'est pas mal. Ouais, clairement pas mal, la mousquetaire. Pour le deuxième, c'est vrai qu'on voit moins en moins, mais qui est pas mal. Moi, je la trouve forte. Cartes, hein. Elle compte pas mal de cartes de la méta. Hein. L'électro-sorcier, elle va être le marave, le sorcier de feu, le bébé dragon, le dragon TDE. Non, non, elle fait le taf. 58 bombes, ok. Ça, ça c'est ouais. Normalement comme rare, 58 toits à bombes, être barbare prince. On, passe sur le on connaît mieux. Magique. On a vu mieux. Avoir de la légendaire. J'aimerais bien avoir le méga chevalier. Le méga chevalier. Débloqué grâce au défi. Oh, il l'a débloqué. Moi aussi, Francis, je l'ai débloqué grâce au défi. Bon, depuis, vous le savez, il est sorti ce vendredi. Du coup, vous avez des chances de l'avoir dans un coffre gratuit, dans tous les coffres, même si vous ne l'avez pas. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas réussi à le débloquer. D'ailleurs, tiens, dites-moi en commentaire, on va vous mettre une autre vignette. Deuxième sondage. Vidéo exceptionnelle. Deux sondages. Est-ce que vous avez réussi à débloquer le méga chevalier ? Je vous montre un petit peu. Il nous faut ça au niveau 2. Ok, donc il veut le méga chevalier, un petit cimetière. Tête de la voleuse, un cimetière, c'est ouais, pas mal. Ouais, la sorcière de nuit, l'électro-sorcier. Bien. Au final, pas mal de cartes qui sont recherchées. Pour le super on voit d'ailleurs 4500 trophées actuellement. Il envoie le petit iWiz. Oula, ça commence mal. 28 tours à bombe, on est toujours pas bon au niveau des rares, on n'est pas bon au niveau des communes. Ouais, il manque de la commune, Francis. Ok, il a toutes les communes. On a toutes les communes, il nous faut toutes les rares. Oh, toutes les rares. Maintenant, il faut toutes les épiques parce que c'est pas fini. On a la légendaire. Oh, on a la légendaire, les amis. Le clignoting. 25 charrettes, c'est beau parce qu'il est à niveau 1. On veut ce méga chevalier. Allez, le méga chevalier. Si j'y arrive. Ok, c'est bon. Allez, on veut de la légendaire. 3. Déjà, c'est ce qu'on aura. Ça. 2. On veut plutôt du méga chevalier. 1. Attention, est-ce que ça va lancer? Non, il nous raconte sa vie. Le go! Go, Iwis! Go, Iwis! Allez, un bûcheron, ok. Oh, okay, choqué, déçu. J'ai déjà niveau 3. Choqué, déçu pour le bûcheron. J'en ai... Ah, choqué et déçu le bûcheron, clairement.
nul à chier. Écoutez, on passe au pack opening suivant. C'est parti. Et du coup, c'est parti pour le suivant qui nous montre ses cartes. Oh, il lui manque tout ça. Ok, il est pas tout seul. Sorcière de nuit. Électro-sorcier. Il est pas tout seul, il est avec sa bande. Dites-moi, tiens, cette commentaire, je sais, je l'ai. Cette question, je l'ai déjà posée. Vous faites les pack opening où, vous, en général? Dans vos toilettes? Pendant votre douche? On sait jamais, vous avez peut-être un téléphone waterproof, à la piscine, à la plage, à l'école, en sport. Dites-moi, voilà, faites-moi péter cet espace commentaire et bah, je regarderai un petit peu où est-ce que vous le faites. Moi, bah, vous savez où je le fais, hein, sur mon bureau, à la maison. C'est voilà, comme ça que ça se passe, en recording, pour vous. Et du coup, alors ici, quoi. Moi, j'ai pas d'amis, Francis. Ouais. J'ai pas d'amis. Si jamais vous voulez être mon ami, vous avez mon mail dans la description, envoyez-moi des demandes d'amis. Non. Pas de clignotant. Oh. Ça s'excite. Ça s'excite. Hein. C'est bien, je préfère quand ça s'excite plutôt que les gars sont là. Ouais, ok, c'est cool, c'est de la merde ton jeu. Oh, un petit prince. Bah ouais, non, il manquait des communes. Mais tu sais, il est bizarre, Francis, là, qu'est-ce qu'il raconte? 49 qui arrive. Oh, coffre de clan aussi. Le clan France Malco, on fait des bisous au France Malco. 1620 pièces. 24 canons. Il faut aussi t'as les épiques au milieu, t'as oublié une légendaire. 4 mousquetaires, ok, épique comédie. On va écouter son astuce. Est-ce que vous êtes d'accord avec son astuce ou c'est de la merde? Dites-moi ça, je la connaissais pas moi, je la découvre. Ok, oh, petit changement de sang, on les entend plus. Ah, ça y est, ah. Ça y est, c'est revenu. C'est marrant, il a ouvert le coffre des clans avant le coffre géant. Oula. Un petit fou. Ah, les mecs savent pas compter, il manque plein de communes. 186 moustiques, il a eu 9 portugais super saiyan. Heureusement qu'il n'y a pas que 9 communes dans un coffre géant. Sinon ce serait la crise, ça nous coûterait très très cher pour maxer nos comptes à nous les gemmeurs. Et du coup le coffre mama magique, 1050 pièces. 3 barbares d'élite, 21 squelettes, 25 esprits de glace. J'ai pas fait le compte là. 32, Gobelin lance. Et non, il manque des rares. 10 roquettes. 11 mousquetaires. Et 3 bébés dragons. Attention, le prochain coffre, les amis. Coffre légendaire, il lui faut un truc qui voit. Notre ami Cornillo. Allez, c'est parti. Zappi. Oh, les bâtards. Ses amis, c'est pas ses amis, hein, clairement. Oh, électro-sorcier. Oh, il le débloque! Énorme déblocage de l'électro-sorcier pour Cornillo. Du coup, on arrive à la fin du pack opening. J'espère qu'il vous a plu. On enchaîne avec le dernier, Tibor Gaming. Et il nous a carrément mis de la musique. On est dans le turfu. Du coup, même pas besoin de l'ajouter au montage. On va monter un peu le son. Donc je suis vraiment désolé de faire ces petites coupures, sinon ça décale le son. Voilà, donc c'est vraiment très mauvais. Ok. Une mousquetaire. Non. En vidéo, les gens. Non. Oh my god. Oh my god, non. Non. J'étais pas prêt. Non. Oh my god. J'étais pas prêt, Francis. Je me dis, c'est quoi cette vidéo? J'ai failli ne pas la prendre à cause de la musique. Oh my god. Je suis choqué, les gars. Oh, ça, c'est de glace. Oh. C'est pas terrible, c'est pas terrible, ça calme un peu le truc, ça détend, on est en mode, ouais, au final, bon, moyen, mais bon, ça reste quand même énorme. Sorcier de glace, coffre en bois, j'ai réussi à faire moi deux légendaires d'affilée dans les coffres en bois. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'était vraiment assez fou dans ma tête, j'y croyais pas. Waouh, Tibor Gaming, il en revient pas. Coffre à couronne, non, oh my god, non, j'y crois pas les gens, je suis trop content. On a perdu. Non, il cheat les gars. Mais qu'est-ce qui se passe? Non les gars, attendez. Non, c'est pas possible, là, faut me dire un truc. Est-ce qu'il nous triche, là? Là, Francis, faut m'expliquer, non! Qu'on peut passer level 2! Mais qu'est-ce qui se passe? Non, my god! Non, mais les gars, c'est une blague. Dites-moi, il se fout de ma gueule. Il a ouvert un coffre gratuit, un coffre à coucou. Il est où, le magique, le... What the fuck, Francis? Non, mais je tombe sur des vidéos, des gars, comme quand je vous dis que je les regarde pas, qu'elles sont enregistrées au cas par cas. Après, des fois, ça m'arrive d'enregistrer des packs opening qui sont pas du tout intéressants ou qui sont totalement buggés, du coup, ils passent pas. Mais à chaque fois, je découvre genre 2-3 secondes pour voir juste s'il y a le son qui est de bonne qualité, la qualité visuelle. Et là, le gars me sort un coffre gratuit, un coffre à couronne. Dites-moi en commentaire,
Est-ce qu'il y a du trucage ou pas? Je trouve ça très bizarre. En tout cas, Tibor Gaming qui a envoyé du très très lourd sur ce pack opening. D'ailleurs, on arrive sur la fin de ce pack opening. J'espère qu'il vous a plu, qu'on atteindra les 5000 pouces bleus. Si vous avez kiffé, bah oubliez pas le pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, petite vignette là-bas au centre qui apparaît. N'hésitez pas à cliquer dessus, à activer les notifications. Deux vidéos sur les côtés. Moi, je vous fais des gros gros bisous et je vous souhaite à tous tout simplement une très très bonne reprise parce que demain, je sais, c'est lundi, ça va pas être facile. J'espère que ce pack opening vous aura donné le sourire. Des gros bisous et à très très vite pour une nouvelle vidéo.